Salut à tous, c'est Tony, on se retrouve pour un nouvel épisode, la suite de Dragon Ball Fusion Saiyan Frontier. Donc c'est l'épisode 10 il me semble. Donc écoutez, on va continuer l'aventure, donc le son a bugué. Par contre vous entendez les bruits des pas, mais la musique a bugué, hein, comme d'hab. Donc on continue, on est dans la zone Namek Forest 4. Voilà. Donc c'est parti. Ah ben voilà, la musique s'est relancée, c'est parfait. Donc la Namek Forest 4, je crois qu'il reste pas mal de monde encore. Donc on en a pour un petit moment avec ce jeu, on en a pour un petit moment. Peut-être que même d'ici que je le finisse, ils auront sorti des nouveaux trucs. Parce que mon but c'est d'arriver à le finir celui-là, par contre. Alors, il est là, Vegeta. Donc quel niveau ils ont les persos? Enfin j'ai pas trop regardé. Niveau 50, hein. Niveau 50. C'est plutôt pas mal, hein. S'il se régénère à chaque fois, ça va pas le faire. Voilà, va dormir. Allez, fight with Vegeta in Namek Forest. Donc à mon avis, je pense que je me rentraînerai encore une fois. Je pense que je me rentraînerai parce que ça risque d'être difficile. Arriver à un certain niveau. J'ai pas envie d'être bloqué en fait, donc j'ai d'attendre d'être bloqué pour m'entraîner. Donc je préfère anticiper. C'est un peu comme dans les jeux comme Final Fantasy, tous les RPG quoi. J'aime bien des fois pendant quelques temps ne pas avancer dans l'aventure mais m'entraîner, comme ça j'avance d'un trait après. Après chacun fait comme il veut. Là, il y en a un Vegeta. Est-ce que c'est celui-là? Ah, il se régénère, je sais pas pourquoi.
Il y a un chat en face qui s'excite, quoi. Allez, va dormir. Donc voilà, merci à tous les abonnés au fait qui sont fans de Dragon Ball Z. Hein. J'ai vu que dans les derniers abonnements, il y en avait pas mal. Donc si je continue à faire des jeux Dragon Ball Z, c'est tout simplement parce que j'aime bien, j'adore Dragon Ball Z, hein, comme vous le savez. Et en plus de ça, ça m'a été demandé. Donc il y en a qui viennent sur la chaîne exprès que pour du DBZ. Bon, à la base, c'est une chaîne multigaming, par contre, je tiens à vous le rappeler. Hein. On fait n'importe quel jeu. Là, c'est vrai que je suis beaucoup sur DBZ, moi, en ce moment. Enfin, depuis un petit moment même. Mais je vais me diversifier un petit peu aussi. Hein. Ah ben le Goten nécessaire, j'avais jamais vu celui-là. Ben on l'a pas vu longtemps. Donc ça y est, on commence à se battre contre des SSR. Niveau 50, ça commence à être un peu plus dur, on va dire. Frieza, il dort direct. Voilà, c'est ce que je vous disais, qu'il était trop mal fait celui-là. Commandant Blue, Général Blue il s'appelle. Alors Janemba va nous faire galérer sévère. Ah bah là il a bien joué là, en automatique. Voilà. Ah, alors attendez. Ah ben j'ai un petit break. J'ai un petit break. Ah ben voilà, impeccable. J'ai eu la carte de Janemba. Donc regardez avec le break. 46 520. 48 404. C'est pas négligeable. Ça m'augmente la puissance. Je crois que le premier du jeu a 500 et quelques mille, je crois. D'ailleurs, on va aller, j'irai regarder mon classement de puissance. Voir si je suis bien classé ou pas. Putain, ben, il y a Kamessinin qui me fait galérer, quoi. Il est solide hein, en face. Il est solide. 52 le niveau. Il a encore augmenté. Un petit Goten ça sert. Voilà, Goten qui a le type Psy et Saiyan. Alors Trunks c'est pareil, j'hésitais à le mettre dans ma team, mais je voulais attendre de voir si j'arrivais à choper du Janemba, mais j'arrive pas à en choper pour l'instant. Donc je pense que peut-être Trunks sera intégré à la team, je sais pas.
Bon alors on va garder cette team, elle est vraiment bien. Ben, d'ailleurs les autres personnages ne me servent à rien, j'arrive à tout faire avec rien qu'avec Piccolo quoi. Et Vegeta qui fait son apparition des fois. Pour le moment. Ça va très bien. Alors lui, eux, ils se sont même pas fait chier, ils l'ont appelé guest quoi. Même pas ils se sont fait chier à lui donner un nom. Alors pourquoi il se régénère 418 de vie, ça il faut m'expliquer. Allez, on avait dit qu'on allait regarder, donc rang. Donc en arène, je suis 202e, normal, j'y joue pas beaucoup. World Tournament, c'est encore pire, 144e. En power, je suis 77e, les gars. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, non, le premier à 679 000, l'Ikuri. Voilà l'équipe qu'il a. Il a que des UR, sauf la Bulma. Avec le Piccolo, le Janemba, le Freezer. Ça, c'est qui celui-là? Merde. Je pense que c'est Sangoku. Ouais, c'est Sangoku et le Gohan. En DBDX Collection, je suis 118e. Donc c'est lui le premier. Et en level, je suis 82e. Ah ouais, d'accord. Level 72 le premier. Moi, je suis level 59. Ok. Donc 82e, c'est pas trop mal, hein, je pense. Je sais pas combien de joueurs il y a. Mais c'est plutôt pas mal. Je suis dans le top 100 de la puissance, quoi. Et encore, je vais vous dire un truc, hein, je joue pas des masses. Hein. Juste j'y vais, je monte les breaks, etc. Je fais 2-3 quêtes et basta. Je ne forme même plus de perso depuis que je les ai passés à SSR. Il y en a qui c'est des enragés, mais bon, moi je peux pas avec tous les jeux que je fais, surtout avec Dokkan qui prend beaucoup de temps. Alors, on va voir si on arrive à finir cette zone, hein, ça serait cool. Il faudrait qu'on arrive à finir cette zone sans dépasser trop les 20 minutes de vidéo que je me suis fixé. Ça serait cool. Bon, au rythme en avance, ça devrait le faire, hein, je pense. Yamcha qui est résistant contre Piccolo, par contre. Hein. Par rapport à Goku, par exemple. Eh ben voilà, écoute. Il a fait le taf, le petit Piccolo. Est-ce qu'ils arrivent à aller dormir? Et voilà, ça c'est fait. Ah, alors, ça a bugué. Alors attendez, je reprends de suite. Allez hop.
Le jeu avait légèrement bugué, hein. Ça peut arriver. Alors, ask Krillin is ideal. J'ai un anglais. Un anglais du sud. Donc peut-être que l'épisode risque d'être un peu plus long. Hein. On va essayer de finir au moins cette carte-là pour finir l'épisode. Il est là le cri. Hein. Consulte Kai's location of Namek. Allez, ben, je pense qu'on va pas tarder à arriver à la fin. Hein. À la fin de ce monde. Namek Forest 4. Logiquement. Putain, pourquoi il se régénère, je comprends pas. Des fois il est débile un peu le truc. Hein. Il pourrait le crever et il fait n'importe quoi, voilà. Allez, va dormir, va. La promenade de santé, quoi. Hey, il nous reste encore des combats. Hein. Voilà, et comme je vous ai montré, pensez à mettre dans le tuto, hein. N'hésitez pas à le regarder, à débloquer tous les trucs d'entraînement. Comme ça, même si vous n'êtes pas là, vous partez 3-4 jours, vous ne pouvez pas jouer, etc. Vos joueurs continuent à s'améliorer. Ce système-là, je le trouve vraiment pas mal, par contre. Moi-même, le mec qui n'a pas joué depuis plus d'une semaine, il revient, bam. Les résultats des entraînements, ses personnages sont augmentés. Ah ben voilà, Follow the Alien Namek Forest 5. Voilà, ben on a fini la Namek Forest 4. Hein. On a fini. Hop, on va s'arrêter là. On va regarder ce qu'il y a à dropper. Ah ben voilà, nouveau personnage, Monsieur Satan. Monsieur Satan R. Ben voilà, enfin, nouveau personnage qu'on peut dropper. Donc voilà les amis, on va en rester là pour cet épisode numéro 10. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.